Yeah. What's up, guys? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième match de la QPL single contre WU Disciples de l'équipe de Ying Yang. On est très excités, très nerveux, on a peur un peu, on est bandé, on est mimou. Ça va bien aller. Bon, comme vous pouvez voir, mon équipe qui est présente à l'écran dans le bas. On l'a pratiqué quelques fois. On l'a tuné quelques fois. Il y a des choses qui ne fitaient pas trop. Je pense qu'on a réussi à trouver un juste équilibre de la team, de mes heavy spread. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre les surnoms de mes Pokémon. Je suis bien dessus. C'est pas grave, on passe sur le prochain match. Donc on a cette équipe-ci. Deepart que j'ai hâte d'essayer avec Prankster Copycat qui me permet de bouger en premier parce que Copycat c'est un move qui attaque pas. Donc ça va avec le Prankster mais qui fait la dernière attaque que j'ai faite avant. Ce qui devient vraiment fort avec Night Slash qui donne son stab. C'était assez étonnant. Comme setup, ça peut faire chier. Moi, salut Walter. Donc, on ne faut pas attendre Ying Yang plus longtemps que ça. Ça fait déjà un bout qui attend, le pauvre. J'ai quand même recommencé mon record 3 fois parce que j'oubliais des trucs. Genre, pas de webcam. Après ça, pas de son. Là, je pense que ça va aller. Tout est là. Je me vois. On m'entend. Donc c'est parti, ça cherche. On va lui dire bon match. Je suis vraiment nerveux pour ce match-là. Comme vous avez pu le voir, j'ai perdu mon premier contre Smiley, les Ascending Dragons. On va essayer de se rattraper, mais Yin Yang qui est un nouveau cette saison, mais qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'on le connaît pas, on le voit un peu dans le Clash of Tide, puis c'est un excellent joueur à date à ce qu'on a vu. Donc c'est stressant, je suis stressé, je vous le cacherai pas. Mais j'ai très hâte qu'on perde ou qu'on gagne, on est ici pour avoir du fun. La QPL, c'est une ligue le fun. C'est juste du beau monde. Mais on va donner tout ce qu'on a pareil. Bon. Il y a Runerigus que j'avais pas prévu. Pinchino qui peut nous faire chier. Drapion, ça devrait aller avec Palossand. Il est dark par contre, il pourrait me tuer assez facile. Ouais. Ok. Je pense qu'on va lead Zapdos. Étant donné qu'on a Volt Switch, on va être capable de. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, son internet a lâché. On va attendre. On va rentrer son code. Round 2. Fait dire le suspense puis le stress, ça c'est étonnant. Encore une fois, j'apprécie, je vois bien jouer mon setup puis je trouve ça beau. Je suis assez fier. Ça a vraiment bien sorti.
Il est de retour. Prise 2. 5-4. Party! Yeah boy! C'est la même team. Je pense qu'on va y aller encore avec la même setup. Que Vincini me fait chier un peu. Si il est Vincini, je switcherai sur Palossam. Mon Zapdos qui est vie assez étonnant. Vous allez pouvoir le voir dans la description du vidéo. Je mets mes combats à cette heure. Pas mes combats, excusez, mais mes heavy spreads. Il est bulky, un peu de speed, un peu de spécial attaque, fait mix. Bon match à toi, Yin Yang. C'est parti. Pinchino. On va Volt Switch. Ouh, il est Scarf, le sale. Ça commence mal. Il est peut-être pas Scarf par contre. Ok, un lead qui nous fait très mal en startant. On va envoyer Caracosta. On va Aqua Jet ici, en espérant que ça soit suffisant. C'est un très mauvais départ. Link qui est une plaie comme habilité. Cloyster et Sanchino font chier avec ça. Ah, c'est pas suffisant. Un crit. C'est pas Scar. Sino qui va sweep ma team. Pokémon de cochonnerie, toi. Se soigner un peu. C'est-tu son G-Max? Il me semble que c'est son G-Max. Du moins, c'est sa mascotte. Ça augure très mal ce match.
booster son speed. On va tenir encore pour y enlever son item. Il nous tue pas, bien sûr. Il nous tue. Au moins, il y a deux tours de passé. On joue pas très bien en ce moment. Différentiel contre. J'avais pas le choix, je pense. Sûrement nous tuer ici. Il va probablement nous tuer avec son Urshifu. J'ai réussi à me tuer à G-Max. Si oui, ben. Que voulez-vous? Ça sort ça. Yep, right. J'attendais à ce que ça me fasse mal, mais pas à ce point-là. Ok, ce match-là, c'est GG. C'est les walls, mais Sanchino est plus rapide, il devrait nous tuer ici. Peut-être pas. Ouf. De vraiment pas grand chose. Au moins nos walls sont setés. Même si je pense pas qu'on puisse remonter la pente.
savait pas ce qu'on faisait, on allait mourir, c'était sûr. Let's go slow bro! Sauve la game! Ouh! Un miss! Un crit! Je pense pas que ça ait changé grand chose. Slowbook fait énormément mal. J'aime que ses attaques sont différentes. Je sais pas si vous avez remarqué, s'il fait une attaque spéciale avec Shadow Sidearm, il tire à distance une boule. Sinon, il frappe avec son poing à la place. S'il fait une attaque physique. Des petits détails cool que j'aime bien. Je pense qu'on va score. Ah non, c'est juste je respecte. Abruti. Sûrement nous faire un move ghost, je crois. On va y aller The Night Slash. Yes! Rapion, ok. Est-ce qu'on va rester? Je pense pas que le rapion est dessus. On a les walls activés, on va l'essayer. Et prêt, un crit. Oh là là. Ça fait chier. C'est vraiment chiant. On va essayer. Mes deux sont weak. Il faut espérer que le quick draw me donne quelque chose. Quick draw plus burn, ça serait assez cool. Mais non, knock-off, c'est vrai. Oh non, c'est pas speed. Pas de burn. Slowbro qui est tank, hein? Jésus-Christ. Drapion c'est terminé. J'ai plus de wall. Là, ça me prend un quick draw. Oh oh oh! Yes! Si je peux le tuer avec ça, je suis béni des dieux. Et prêt, tu t'es donc ben! Fuck!
Jésus qui teint. Ça, je m'en attendais pas. Notre litière. Et notre dernier mur. Qui va probablement tomber. On va stockpile, essayer de se searing shot. Et hey. Comment il va nous tuer au prochain? Ouf! Ah! Voilà, je sais pas, je viens de penser, j'ai pas besoin de me faire perdre la vie. On va stockpile encore. Pas de plus. Comment on va mourir au prochain? Ça ne donne pas grand chose. GG. Un crit qui était vraiment pas nécessaire. Donc c'est tout pour ce match. Merci d'être venu. On like la vidéo, on subscribe pour les prochains. Puis on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine pour nos deux prochains matchs de la QPL. Merci guys d'être venus. Ciao.